fameux départ de Brive-Monument-Morel. Et avec Christophe Tonnoy se retrouve quatrième. Il prend le tour Joker. Allez, c'est le tour de Joker. David Durand l'a pris en toute logique puisqu'il devra passer deux fois par le tour Joker. Il est obligé de le prendre dès le début. Alors qu'il y en a là-bas devant, eh bien, Brifaut devant les mannequins. Morel devant Tata Framboise. Et le Guernevé. Tonnoy, qui revient comme un avion. Ah, il faut prendre le tour Joker de suite. Hein. Eh oui, il faut y aller dans le tour Joker. Il a raison, le Guernevé. Tonnoy va revenir sur Morel. Ah, si Brifaut ne prend pas le tour Joker, maintenant il a perdu. Ou Morel. Que la menace de Tonnoy, elle est là. Il pleut à l'autre bout du circuit, il a mis les essuie-gueules. Ah oui, c'est maintenant. C'est maintenant pour Brifaut. Ah oui, il le prend. Ah oui, il faut y aller maintenant. Sinon, il aurait perdu. Et Brifaut va pas sortir devant. Et Brifaut ne sortira pas devant. Voilà l'accélération, c'est Tonnoy qui sort dans la parabolique. Devant Brifaut. Troisième, Morel. Quatrième, le Guernevé. Et, ben oui. Il a remis les pendules à l'heure. Bonjour. Ah. C'est quoi? Allez, les derniers mettent à courir pour le leader de cette Coupe de France en Dutroux en 2017. Avec Xavier. Pour Christophe Tonnoy devant Xavier Brifaut. Meilleur temps pour Christophe Tonnoy. Meilleur temps pour Christophe Tonnoy. Deuxième, Xavier Brifaut. Troisième, Benoît Morel. Quatrième, Grégory Le Guernevé. Cinquième, Anthony Ladoé. Une Opel qui m'a véhiculé VT525ZQ. Vous avez laissé votre fenêtre ouverte. Et les billets de 50 euros.